Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel numéro 7, le bilan culturel du mois d'octobre. Alors, ce mois-ci, j'ai regardé beaucoup de séries sur Netflix, notamment Stranger Things, parce que tout le monde en parlait et que je voulais voir ce que ça donnait. Je me suis enchaînée les 5 premiers épisodes à la suite, parce que c'est vrai que c'est hyper addictif comme série, parce qu'il y a une vraie intrigue derrière. Mais je me suis arrêtée parce que c'est pas vraiment le genre qui me plaît. Parce que c'est un peu trop fantastique, science-fiction pour moi, et j'aime pas trop, mais pour ceux qui aiment ça, je trouve que c'est hyper bien réalisé. L'ambiance un peu flippante est très bien mise en place, et j'ai adoré la bande-son, et les différents personnages, et les différents acteurs, surtout les performances des acteurs, notamment la mère de Will, Iona, je ne sais plus son nom de famille, qui est vraiment excellente dans ce rôle-là. Donc, je vous conseille de jeter un œil parce que je pense que ça peut être intéressant. C'est un genre de série que j'avais pas vu avant. Et j'en ai discuté avec certains qui m'ont dit que ça reprenait beaucoup de références culturelles des années 90, sûrement des références culturelles que j'ai pas. Mais ça peut peut-être vous plaire. Ensuite, j'ai regardé la série Master of None, qui est une série originale Netflix aussi, réalisée par l'acteur principal de la série. Je vous mets le nom ici. Donc on suit un Indien dans sa vie new-yorkaise et chaque épisode est consacré à un thème, que ce soit les parents, que ce soit les origines, que ce soit l'amour, des petites choses comme ça. C'est des courts épisodes de 30 minutes et j'ai adoré cette série, c'est hyper agréable à regarder, déjà les images sont hyper belles, mais surtout le personnage est à mourir de rire, hyper attachant, et il y a des belles valeurs et des belles idées qui sont partagées à travers ce court format. Et j'ai trouvé ça très agréable et pas prise de tête du tout, mais très doux, et en même temps ça fait pas mal réfléchir sur pas mal de trucs de manière très simple. Donc c'est un bon moment passé à regarder cette série, donc je vous la conseille. J'ai regardé les documentaires Chelsea Does. Donc en fait, Chelsea, c'est une animatrice de Netflix qui fait des shows. Mais moi, j'ai regardé les documentaires qu'elle a fait. Donc c'est des formats de 1 heure et demie où elle s'attache à étudier un sujet. Et en l'occurrence, moi, j'ai regardé le mariage et la drogue. Il y a 4 épisodes, je crois. Et c'est très intéressant, même s'il y a une énorme production derrière et que c'est pas vraiment très spontané et qu'il y a des caméras de partout et des moyens de malade, je trouve que c'est intéressant qu'elle fasse cette démarche-là, de comprendre le pourquoi du comment. L'épisode du mariage notamment, je l'ai vraiment adoré parce que c'est une femme qui a 40 ans, qui a pas de mari, de compagnon, et du coup elle a essayé de remettre en question la question du mariage. Elle essaye de comprendre pourquoi le mariage est cette institution aussi présente dans la tête de tous. Et pour ça, elle va à la rencontre de personnes, elle va faire des expériences, notamment elle va assister à un mariage à Las Vegas. Et c'est un documentaire que j'ai adoré, qui m'a moi aussi fait réfléchir sur la question du mariage. Et j'ai trouvé ça super, cette femme a beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est une bonne journaliste, investigatrice, parce qu'elle est hyper naturelle, hyper simple. Et en même temps, je pense qu'elle a beaucoup de culture, d'autodérision et de tact pour faire ces choses-là. Donc je vous conseille de regarder ces documentaires-là qui sont vraiment agréables à regarder. Ensuite, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, c'est-à-dire que j'avais plus aucune série à regarder sur Netflix, donc j'ai fouillé, 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 et je suis tombée sur un truc qui s'appelle Terrace House. C'est un programme qui a été racheté par Netflix, mais qui à l'origine est juste un programme de la télé japonaise. Et en fait, bah concrètement, c'est les anges de la télé-réalité version Japon. Donc t'as 6 personnes, 3 garçons, 3 filles, qui vont vivre dans une baraque de malades et on va les suivre à travers leur vie. Mais là où ça a été vraiment intéressant, c'est que ils sont libres de tout faire en fait. Ils sont juste là-bas à vivre comme des colocataires, mais ils n'ont pas d'objectif de boulot, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas de mission particulière. Donc c'est un format de télé-réalité très spécial. Mais là où j'ai adoré, c'est que je me suis retrouvée à vouloir comprendre comment fonctionnait la culture japonaise, parce que les rapports humains qui sont filmés sont hyper, hyper, hyper intéressants. C'est-à-dire qu'on découvre comment se comportent des jeunes japonais de approximativement notre âge ensemble, en colocation, et les rapports humains en fait, et de cette culture-là qu'on ne connaît pas. Et c'est hyper déconcertant, hyper addictif, alors que ça n'a pas grand intérêt, mais ça m'a redonné goût à la culture japonaise, la bouffe qu'ils mangent, ça a l'air juste trop trop bon, et ça donne trop
envie de s'intéresser à ce qui se passe dans leur tête, à leur fonctionnement. Parce que je me rappelle avoir eu une grosse période où j'étais vraiment fan de ça, et je lisais des mangas notamment, sauf que c'était des mangas qui étaient hardcore en termes de rapport sexuel, enfin rapport humain même, d'homme à femme, alors que là, bah pas du tout. C'est vrai qu'il y a une putain de maîtrise de la part de ces jeunes-là, et trop de questions, est-ce qu'on se met en couple ou pas, il a fallu 14 épisodes pour qu'il y ait un bisou. Je vous préviens, si jamais vous attendiez du high level... En termes de trash, c'est pas ça. Mais voilà, je suis complètement accro. Je suis trop attachée aux japonais. J'ai demandé à ma mère de me ramener plein de mangas parce que j'ai envie de me remettre là-dedans. J'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. J'ai envie de savoir la place de la femme dans cette société-là parce que je pense que c'est hyper intéressant. Et j'ai envie d'aller faire un voyage au Japon. Donc merci Terrace House. Bon courage pour le générique parce que c'est un truc que t'oublies pas. Ah, et il y a juste un bémol dans cette émission, c'est qu'il y a des interventions, enfin, il y a des bouts d'épisodes entrecoupés par des interventions de journalistes, animateurs, qui critiquent, et ça c'est trop chiant, donc je passe parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Au cinéma, je suis allée une fois au cinéma pour voir un chef-d'œuvre, Bridget Jones 3, et bah c'était trop bien, c'était trop cool, vraiment, j'étais morte de rire tout le long. Ça fait trop du bien de passer un moment comme ça, à vraiment rire de toutes les blagues du cinéma. Il est même mieux que les deux autres Bridget Jones, donc si vous êtes des fans de l'ancien temps, vous allez adorer ce qui se passe pour elle. Ensuite, j'ai lu un peu de bouquins. Le premier, c'est le journal de Anaïs Nin. C'est une révélation. Donc cette personne est... et une personne qui a bouleversé ma vie concrètement. C'est une jeune femme qui a écrit son journal sur toute sa vie et elle analyse ses relations avec les gens et elle analyse comment elle se comporte et elle essaye d'analyser sa propre psychologie et c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est pas une histoire en soi, c'est juste vraiment elle met à plat ses pensées là-dessus, tout, quasiment tout. Une fois qu'elle vit les moments, elle les ancre là-dedans, elle les écrit. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est... Je sais pas trop comment expliquer, mais elle aborde des thèmes bateaux, mais avec une sincérité et une puissance des mots que j'ai rarement vues. Genre le féminisme, genre l'amour, genre le pouvoir de séduction, la place qu'on a dans la société, le rapport qu'on a aux autres... le statut d'artiste, la création, les problèmes enfouis, la psychologie, enfin vraiment, c'est une mine d'or pour plein de choses ce bouquin-là, et c'est pour ça que ça prend du temps à lire, parce qu'il faut, prendre le temps d'apprécier tous les mots et toutes les expressions et toutes les vérités de malade qu'elle dit. Donc du coup je fais plein de notes et tout, machin. Et tout ça, elle l'analyse, elle décortique, elle va vraiment au fond des choses, et c'est tellement intéressant, tellement bien, tellement puissant que je ne peux que vous conseiller de lire Anaïs Nin. Et j'ai lu un deuxième livre qui a un titre, ma foi, un peu spécial. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, qu'un ami rencontré ici m'a proposé de lire en me disant « ça va te changer la vie ». Et c'est vrai que c'est cool, c'est très intéressant. Donc c'est l'histoire d'un mec qui part à Bali, qui rencontre une espèce de moine qui va lui faire prendre conscience de sa vie et du fait qu'il est malheureux. Et donc pendant une semaine il va voir ce personnage et il va avoir du coup une grosse évolution et une grosse maîtrise de lui. Et le propos principal de ce bouquin c'est de se dire qu'on a des pensées limitantes et que du coup on se met des propres limites à nos ambitions, ce qui est vrai. Donc très très bien écrit, vraiment c'est pas de la grande littérature, mais dans le fond du propos c'est grave intéressant et positif. Et ça a été notamment une très bonne réponse à ma dernière vidéo du doute. Et c'est bon, maintenant ça va beaucoup mieux, je sais où je vais, je sais ce que je vais faire. Et ce bouquin a fait que confirmer les décisions que j'avais prises. Donc voilà, si vous êtes un peu dans le bad, et bah lisez ça parce que c'est cool de réaliser qu'on est trop influencé par des pensées négatives et qu'au fond bah, tout se passe très bien et qu'il y a pire dans la vie et que bah, on va y arriver si on s'écoute juste soi et qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Voilà. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est un spectacle de théâtre vivant qui s'appelle Garden Party de la compagnie numéro 8, qui est une compagnie de théâtre française que j'ai vue ici à Barcelone lors de la fête de la Mercé. Et ça m'a chamboulée.
C'était une des plus belles expériences de théâtre vivant de ma vie. J'ai pas envie d'expliquer, j'ai pas envie de trouver le pourquoi du comment, ça m'a autant émue et ça m'a autant transportée. Mais c'était à mourir de rire, c'était génial, 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 génial. J'ai trop ri, j'ai trop eu des fortes émotions, j'ai vraiment adoré ce spectacle du début jusqu'à la fin. Donc si vous avez l'occasion de les voir, faites-le. Vraiment, c'est une des plus belles expériences de théâtre que j'ai fait. C'était vraiment trop bien, c'était trop drôle et j'ai adoré. Et j'ai fait un musée ici, c'est le musée Picasso de Barcelone, super famous évidemment. Mais j'ai été grave agréablement surprise parce que c'est un musée qui est hyper bien, qui retrace toute la vie, enfin toutes les périodes de Picasso en fait. Tu balades de salle en salle, de la 1 à la 15 et tu vois l'évolution de son travail plus ou moins. Vers les années 1890, quand il était très jeune et qu'il était à l'école des beaux-arts et qu'il dessinait, il dessinait des choses vraiment très très classiques et il le faisait super bien. Et on voit du coup toute l'évolution et tout son travail et qu'en fait bah, c'est un putain de génie ce gars-là. Le travail de Picasso, je l'associe à ça, à une espèce d'énergie, une folie un peu incontrôlable. Et en fait pas du tout, j'ai compris que c'était une maîtrise et un travail de longue haleine qui a pris des années. Et il est archi fort. Et du coup, si vous avez l'occasion, allez voir ce musée, c'est hyper intéressant. Il faudrait que j'aille voir celui à Paris pour faire une comparaison, voir si c'est aussi bien, voir si on voit cette partie du travail qu'il a faite ou pas, très classique, très, très dans les cases. Mais en tout cas, voilà, ça ne fait que confirmer l'admiration que j'ai pour cet homme-là et pour sa créativité. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce bilan culturel vous aura plu, que vous aurez eu envie de lire, de voir des choses et toutes ces choses-là. J'ai hâte de venir pour le prochain bilan culturel parce que ma mère est venue avec beaucoup trop de bouquins et de BD et de trucs cool à lire et à voir. J'espère que ça va bien pour vous. Je vous remercie pour toutes les réponses positives et toutes les good vibes que vous m'avez envoyées suite à la dernière vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, kiffez la vibes et à bientôt.